Ça, ici, vous avez la tête pilotone ici. Le piloton, il est où? Et ici. Ça, ici. Ouais, D'accord. il y a la tête enregistrée, la tête écoutée. Et celle-ci, mais je ne sais pas, cette troisième-là, il y en a pas. Mais ce piloton-là, est-ce qu'il est en liaison avec la caméra? Non, il est pas en Non, liaison. quand la Juste qu'il caméra est fonctionne. devenue autonome avec le diapason, là, où les caméras Aton et compagnie, elles étaient complètement indépendantes, elles fonctionnaient sur des piles qu'on faisait juste brancher sur la caméra. Et c'était une vitesse complètement fixe. Oui. Et là-dessus, il y avait le pilotone qu'on enregistrait pour les variantes du magnétophone. Du magnétophone, d'accord. Ouais. Et on était complètement indépendants. Il n'y avait plus de câble, de fil entre la caméra et le son. Et il y avait une possible synchronisation. Ah, la synchronisation était à moins d'un pépin, ce qui arrivait des fois, là, soit des batteries. Donc le piloton enregistrait la variation du moteur interne. Donc c'est-à-dire que le moteur n'était pas encore à vitesse, Ben, si vous disiez. c'était des variations, mais mineures, Mineur. mais quand même, ça. Ça a aidé beaucoup. Si on peut dire, pour le cinéma direct, l'arrivée du magnétophone et de la caméra qui se chargeait rapidement, ça a été Révolution. l'évolution. Parce que dites-vous qu'une bobine de 400 pieds de 16 mm, ça durait à peu près 10 minutes. Ouais. J'avais plus de temps sur une petite bobine comme ça que sur la caméra. Et ce qui arrivait souvent, je continuais pendant des fois, il devait charger dans le sac, dans un sac noir, parce qu'il n'y avait pas de chambre noire. Et moi, je continuais. Et les gens ne savaient pas, mais ils avaient le micro. Puis souvent, ce son-là C'est ce servait son-là qui à faire servait des ensuite ponts, à faire à faire des bons. des fois des confidences. On s'en est pas servi malicieusement. Et l'évolution des micros, est-ce qu'elle allait aussi de pair ou c'était. Vous parlez d'Electrovoice, ça vous l'utilisiez aussi Vous avez continué à l'utiliser longtemps, Electrovoice, avec ce système-là? Mais ça, vous voyez, ça, c'était un micro. Oui, non, ça, c'était un Slim Trim, je pense. Ça, c'est une Mais prime. on avait aussi un micro relativement court, je ne me souviens pas du numéro, mais c'était un micro allemand. Celui dans les racketteurs, quand on voit. Ben, c'était un Slim Trim, C'est comme un ça. slim prime aussi. OK. Parce que il y avait des micros de studio, mais les micros de studio, c'était des gros trucs, et c'était souvent des micros à ruban. Oui, Et ça, c'est dans le trop vent, fragile. c'est haut, là, ça saturait Ça très. C'est saturait trop très lourd, de vite. toute façon, c'est pas des micros de. Donc, nous, on se sentait un peu arriérés, si on peut parler, avec la caméra qui, elle, avait un zoom, qui pouvait s'approcher, faire des C'est gros ça, plans, avoir mais des nous, perspectives. faire la perspective du son, si on ne devait pas s'approcher, on avait toujours le même son, et on essayait De de trouver. jouer le vrai cinéma direct. Mais c'est-à-dire que mais vous vous approchiez quand même Oui, parce qu'avec physiquement. une entente avec Michel et en voyant, Son bad. surtout ces zooms-là, avec le bras en dessous, dépendant de la position du bras, je savais qu'il était en télé Ouais. ou en grand plan. Donc vous avez toujours un œil sur Michel Ah, on se met sur le son à toujours, faire. mais vous voyez déjà. Ouais, c'est ça. Toujours, regarde, on est toujours dépendant là, du caméraman. Hein. Ouais,